Hey, bonjour à tous et bienvenue pour Virtual Cast numéro 23 du calendrier de l'Avent Lego City. Nous sommes déjà à l'avant-dernière case. Le temps passe super vite, vous imaginez? Demain ça fera 24 jours qu'on aura ouvert la case numéro 1. J'ai pas vu le temps passer. C'est un truc de malade quoi. Bon, je vais pas passer une minute à vous dire que le temps passe vite, mais le temps passe vite quoi. Bref. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est le dernier décor, hein, que vous verrez, c'est le dernier nouveau décor. Pourquoi? Et pas parce que dans la case numéro 24, bah, j'ouvrirai ma case devant le sapin. Donc devant mon sapin de Noël. Donc pas besoin de décor. Pas besoin de décor, c'est inutile. Parce que le sapin, sérieux, plus de la moitié des décors qu'il y a autour de mon calendrier, ça vient de mon sapin. Et voilà. Et en plus, pourquoi mettre des décors? Je pourrais même pas le présenter. Oui, enfin, peut-être à la fin, mais ça serait inutile, quoi. Parce que si vous n'avez pas la case 24, ça sera essentiellement du montage. Et je vais peut-être même pas parler pendant la vidéo. Parce qu'il n'y aura que du montage. Donc voilà, ça sera un truc doux. Ça sera la best. Ça sera la best case. C'est la dernière, si vous voulez. Et il y aura un montage doux. Enfin, peut-être pas doux, mais il y aura du montage, quoi. Bref. Donc je vais vous présenter le dernier décor. Le dernier décor, c'est un petit Père Noël. Voilà. Le petit Père Noël. Oh oh oh. Enfin, coucou. Coucou. C'est le Père Noël, je vais te ramener des cadeaux. Bref. Voilà, un petit Père Noël comme décor. C'est le dernier petit décor. Et je trouve que c'est logique, le Père Noël, hein, parce qu'il va venir demain. Enfin, demain soir, on va poser des petits cadeaux. Bref. Ouais. Donc, je vais vous montrer dans la case numéro 23. Donc la case numéro 23 se trouve juste là. Je vais vous montrer. Ici. Voilà. C'est la dernière case. Pas la dernière, mais... C'est, en fait, d'ailleurs, c'est la dernière case que j'ouvre dans ma chambre. Parce que la case 24, ça sera, je vais l'ouvrir devant le sapin. En fait, ça va être chiant de prendre tous les décors et de les... Oui, parce que tous les décors qu'on voyait autour, ils seront quand même autour du calendrier. Je les garde quand même. Je les laisse quand même autour. Même le 2018, tout ça, ça sera. Donc en fait, ça va être chiant de transporter tous les décors en bas et après de les remonter juste après la case. Ça va être assez chiant, bon. C'est pour le bien. Donc c'est pas bien. Mais c'est la dernière. Et moi, j'ai envie de... Là, ça, vous voyez, ça fait tout. Bref, donc nous allons ouvrir la case numéro 23. Donc l'avant-dernière case. Hein. Alors, bon, bien sûr, dans la case 23, il y aura l'hélicoptère, vu qu'on a eu le robot. Dans la case 22, donc là, on aura l'hélicoptère. Enfin, on va encore. Trouvez-le. Parce que là, je suis encore en plus armé. J'ai oublié de retirer beaucoup les Vegeta. Et eux, c'est les rois du grand écart. Parce qu'ils font tout le temps le grand écart quand même. J'essaie de bien ouvrir celle-là. Ah là, j'ai bien ouvert celle-là. Et on a l'hélico. Bon, vous savez déjà, hein. Parce qu'on a eu le robot, tout ça. Tout ce qui. En fait, on a eu tout ce qu'il y a de... sur le calendrier de l'avant, sauf l'hélicoptère. Et dans la case 24, il y aura le Père Noël. Hein. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc voici ce qu'on a dedans. Donc c'est l'hélicoptère. Regardez. Ici c'est l'hélice. Ici c'est la grande hélice là ici. Et là c'est les vitres, les trucs bleus. Donc on va l'ouvrir. Donc je vais juste vous montrer le modèle quand même. Alors la case là je l'ai parfaitement ouverte. Elle est parfaite. Elle est pas abîmée ni rien. Et voilà le modèle. Il m'aurait été très utile. Donc oui, la dernière case, je vais l'ouvrir parfaitement. C'est wow. Alors là, j'ai pas pris ma gourde. Et ça va pas. J'ai pris un petit truc Dream Ball. Et il a volé. Ouais, j'ai pris un petit truc Dragon Ball, mais ça va pas. Bon, je reviens, je vais prendre ma gourde. Voilà, j'ai ma gourde. Voilà, c'est parti. Nous allons construire ce petit hélicoptère. Un petit hélicoptère de pompier, je crois. Oh mince. Donc voilà.
Donc c'est parti, nous allons le construire. Ça fait déjà 5 minutes. Donc je pense que je vais faire une ellipse. Une ellipse, parce que je sens que je vais pas avoir le temps. Ouais, arriver à 7 minutes. Ouais, arriver à 7 minutes, je fais une ellipse. Et oui, malheureusement, vous pourrez pas voir la construction de l'hélicoptère en entier. Parce que j'ai peur en fait de le rater. J'ai pas envie de rater l'avant-dernière case. Hein. Et c'est bon, j'avais mal compris un truc, mais je comprends pas non plus. Là. Donc j'en sais rien. Bref. En fait, beaucoup de fois, les notices, je les comprends pas trop. Bref. Donc voilà. Donc déjà, merci à... En fait, je sais pas du tout. Enfin, en fait, son titre de... Bah, désolé si je l'écorche, hein, ton nom de chaîne. C'est Skiot COC, je crois, un truc comme ça. Bah voilà, mais juste commenter mes vidéos. Parce que bizarrement, je sais pas. En fait, il y a un paradoxe, c'est que j'ai plus de 300 abonnés, mais il n'y a aucun commentaire. Voilà, hein. C'est juste. En fait, c'est pas. Enfin, ça peut porter à la confusion. C'est comme si que Squeezie, il avait plus de commentaires. C'est chelou, non? Voilà, c'est. Voilà. Donc, si on sait, bah, il commente mes vidéos. Voilà. Et surtout, il aime Clash of Clans. Et beaucoup de mes abonnés, bah, ils s'en foutent de Clash of Clans. Donc c'est bien que quelqu'un aime Clash of Clans. Comme ça, bah voilà, comme ça on pourra aller en clan, machin. D'ailleurs, n'hésitez pas à installer Clash of Clans. C'est pas un placement de produit ce que je dis, mais moi, vous vous rappelez au début de ma chaîne, bon, j'avais peu d'abonnés, hein. Mais j'avais fait un clan et personne n'avait Clash of Clans. Et du coup, bah, j'en avais créé un. Et bah, en fait, il n'y avait personne. Et là, après, quand j'avais une centaine d'abonnés, j'en avais recréé un. Et personne n'était encore venu. C'est ça, le truc que je vous dis, c'est que des fois, bah, je crée des trucs, mais personne n'a ça. Et là, bah, il y a enfin un abonné qui a un jeu que je joue. Donc là, ça fait bientôt 8 minutes. Donc je pense que je vais faire une ellipse jusqu'à ce que je construise l'hélicoptère. Donc bah, à tout de suite. Bon, les gars, donc j'ai fait l'hélicoptère. Voilà, hein. Donc ça fait au moins une minute encore. Ça tourne. Oula. Bon, ça tombe pas très bien, après ça tombe. Mais bon, c'est un petit hélicoptère de pompier. Un petit hélicoptère. Hein. Voilà. Voici toutes les pièces de rechange. Bon, je vais pas tout lister, hein, mais il y en a beaucoup, hein, de pièces de rechange quand même. Hein. Voilà. Donc de lisse. Merci tout ça dans le sachet. D'ailleurs, le sachet qui est assez gros. De toute façon, à la fin, à la dernière case, vous montrerez, mais il est assez énorme. Oui, tout ça accumulé en pièces de rechange. C'est. On va le placer dans le décor, le petit hélicoptère. Hein. Voilà, donc Skirt COC, voilà. Hein. C'est le premier abonné qui a un jeu que bah, je fais en let's play. Voilà. Juste pour dire. Voilà. Alors, vous savez où je vais le placer, moi? Alors, j'allais le placer là, mais en fait, non. Parce que dans le dernier calendrier, il y avait un hélicoptère. Mais cette fois, c'était un vrai. Donc, par exemple, enfin, je vous expliquerai après. Mais le drone, là, regardez, on l'avait mis là. Et du coup, là, je vais le mettre dehors. Parce qu'il n'y a plus de place. Et on met le petit hélicoptère ici. Voilà. Il est bien là. Hein. Le petit hélico. Ouais, quand même, on l'a eu à l'avant-dernier jour. C'était un peu long. Mais bon. Donc là, donc, comme je le disais dans l'avant-dernier calendrier, on avait eu un vrai hélicoptère de pompier, un vrai, hein, un vrai de chez vrai. Attention, ça se voyait, vu qu'il volait, dans le... Bah là aussi, il vole, mais là, c'est un jouet, parce que sinon, il n'y aurait pas de hache. Mais la dernière fois, c'était un vrai, et du coup, je l'avais mis au-dessus du calendrier. C'était bien, quoi. Voilà, donc, nous allons ouvrir le dernier booster, car... non, peut-être pas le dernier, j'en sais rien, je sais pas si dans 27, on va ouvrir le booster. L'avant-dernier ou le dernier booster, on sait rien. J'espère qu'on aura de bonnes brillantes et peut-être l'ouvrier. Hein. Donc c'est parti. J'essaie de faire vite parce que pour Art Director, je pourrais pas le mettre en AVD. Donc c'est parti. D'ailleurs, vous avez aimé le nouveau let's play que j'ai lancé. Hein. Oh, regardez! C'est marrant, regardez! Les quatre là, ils sont normales. Enfin, les quatre normales, ils sont là. Et après, on a deux brillantes cachées.
Oh, trop bien. C'est marrant, c'est marrant. Ils auraient dû faire ça pour tous les autres. Donc, le grand-père. Le bonhomme de pain d'épices. Le nain de jardin. Le nettoyeur. Et ensuite, les deux brillantes. Attention, la première. C'est un arbre. Ah, c'est joli, hein, quand même. Et le deuxième, un petit ours. Très mignon, quand même. Donc, voilà les deux brillantes qu'on a eues. Deux nouvelles cachées. C'est bien, hein. Donc deux petites, donc l'arbre et l'ours, et ensuite quatre normales, comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé l'ouverture de la case numéro 23. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. À demain.